Je remercie déjà le Shift de nous avoir tous invités à participer aujourd'hui. Je vais passer la parole brièvement aux intervenants du second panel pour qu'ils se présentent. Et donc après avoir vu explorer les exemples en France, en Belgique et en Allemagne, l'idée de ce panel, en tout cas tel que je l'ai compris, c'est de comprendre comment un passeport ou un logbook vient s'intégrer dans l'écosystème de la rénovation et avec la question dans quelle mesure il peut être un véritable accélérateur de la rénovation. Donc je passe le micro, ou alors Franck, pour que chacun puisse se présenter, et on enchaîne. D'accord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Franck Ovorka et je suis le président de l'association Expérimentation Passeport Efficacité Énergétique, qui a été fondée en 2016 et qui a mené ses premières expérimentations au cours de l'année 2016-2017 et aujourd'hui a pu présenter ses résultats sur l'effet d'entraînement d'un audit simplifié basé sur l'approche d'amélioration des maisons individuelles. J'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Merci. Bonjour, je m'appelle Lucas Bertalo. Mon vrai boulot, c'est de faire le lobbyiste. Je suis un lobbyiste bancaire. Ce n'est pas très populaire à Bruxelles, mais ça, c'est mon boulot. Mais ma vraie passion, c'est de lancer une initiative européenne pour donner un cadre européen pour les banques hypothécaires et pour lancer un vrai prêt hypothécaire vert en Europe et pour donner l'opportunité à toutes les banques de donner des prêts avec des prêts rénovation dans le moment où la banque lui donne un prêt hypothécaire. Merci, bonjour, je m'appelle Maarten de Grote, je suis manager de équipe de recherche de Buildings Performance Institute Europe. On est un think tank, en fait on est des collègues de Shift Project. On travaille beaucoup sur le topic du bâtiment passeport. On a essayé vraiment de pousser dans la directive législation européenne. Je vais présenter un peu plus après. Et on est aussi dans un projet européen qui s'appelle IB Road, où que vous avez le rapport avec entre autres l'info sur le Shift Project. Merci. Et juste un petit mot sur moi, parce que j'ai oublié de me présenter. Céline Carré, je suis ici en tant que présidente de EuroACE. EuroACE est une alliance européenne d'entreprises qui travaillent sur l'efficacité énergétique du bâtiment, avec la particularité qu'on recouvre tous les métiers et toutes les solutions de l'efficacité énergétique. Et donc on a aussi travaillé dans le cadre européen récemment, en cours des 2-3 dernières années, sur la révision de la directive performance du bâtiment. Alors bonjour, un peu plus sur BP, je vais peut-être me limiter pour dire qu'on essaye de donner beaucoup le message du bâtiment passeport et des autres choses pour améliorer les conditions des bâtiments en Europe, mais on utilise toujours les meilleurs exemples qui se passent en Europe, dans les différents États membres, et pour ce topic d'aujourd'hui, on est carrément avec les bonnes personnes autour de la table, avec la Flandre, la Belgique, l'Allemagne et la France. C'est en fait un peu comme le Coupe du Monde, tu vois, les meilleurs trois. Mais bon, l'Allemagne peut-être, et ça c'est dit. Maintenant, on ne va plus en parler. Non, mais je veux seulement, avant de continuer, je veux peut-être dire qu'on réalise tous qu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, mais on ne réalise pas que en Europe, presque 100% des bâtiments, ils ne sont pas dans les conditions résistantes au futur. Si on veut avoir un building stock pour 2050, seulement 3% des bâtiments sont plus ou moins dans les conditions pour arriver là. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de boulot devant nous. Et si on va voir au niveau européen la législation qui existe, on va vraiment voir que... Oui, le slide est un peu mélangé, mais on va vraiment voir qu'il y a 3-4 directives qui ont vraiment un impact direct, avec bien sûr le plus important, le Energy Performance of Buildings Directive, celui au milieu. Mais il y a aussi des autres directives qui ont un impact. Par exemple, je pense que monsieur posait une question sur l'obligation pour les bâtiments publics pour rénover. Ça, c'est dans la directive Energy Efficiency Directive, efficacité énergétique. Mais ce qui était important, que maintenant, les institutions européennes, ils sont en train de mettre en place une review, un process de mettre des nouvelles directives en place
pour les PEB efficacité énergétique qui sont déjà approuvés. Et ce qui est important là-dedans, dans le PEB, qu'il y a du Improved Renovation Strategies. Une question à vous. Qui de vous savez que la France a dû soumettre une stratégie rénovation? Alors, pas beaucoup de gens. Alors, il y a une obligation européenne que chaque État membre doit, chaque 3 années, soumettre une stratégie rénovation pour le parc bâtiment. C'est super important. Et dans les nouvelles directives, il y a aussi des exigences pour la certification énergétique et aussi le Building Renovation Passport, c'est dedans. Un peu plus de détails sur les National Renovation Strategies, qui est vraiment l'instrument central pour avoir l'impact dans les États membres. Il y a plein de choses dedans, il y a plein d'éléments dedans, je ne vais pas aller en détail parce qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est vraiment, dans le nouveau directif, par exemple, vous devez mettre des objectifs pour 2030, 2040, 2050. On ne va plus dire, ah oui, en 2050, on aura un parc bâtiment qui sera efficace et tout. Non, on doit vraiment avoir des objectifs pour 2030, 2040. Ce qui est important là-dedans, c'est ce 3-là, il y a un lien direct avec le passeport bâtiment. Il y a policies and actions to stimulate cost-effective deep renovation of buildings. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin de mesures pour la rénovation profonde des bâtiments. Et là-dedans, il y a écrit, inclus, stage deep renovation. Ça veut dire une rénovation phasée avec, entre autres, introduire l'instrument du scheme pour les passeports bâtiments. Et alors, là, en bas à droite, il y a aussi, et ça c'est important, je pense qu'il y avait une question sur le confort, aussi la demande d'inclure l'estimation des bénéfices autres que energy savings. Ça veut dire au niveau confort, au niveau de productivité dans les bâtiments, au niveau de santé publique et tout ça. Par exemple, on travaille beaucoup à Pologne, on a aussi un bureau à Pologne, et là maintenant, le gouvernement est en train de mettre en place des stratégies et des obligations pour les bâtiments parce qu'il y a beaucoup trop de smog dans la ville. Dans les 50 villes avec plus de problèmes de smog, il y a 10 en Pologne. Alors pour le gouvernement polonais, vraiment le smog, c'est une raison pour rénover les bâtiments. Ce n'est plus l'efficacité énergétique. Alors, c'est quoi le main driver? On a le film, mais il y a aussi le driver important. Et alors, dans la législation européenne, il a écrit que la Commission européenne doit faire un feasibility study on building renovation passport. Alors là, carrément, le thème de renovation passport s'est inclus dans la législation européenne. Où il a écrit que dans ce study-là, la Commission doit mettre un timeline, un planning, et doit se mettre complémentaire au EPC. Alors, ça veut dire qu'on voit quand même un lien entre le certificat énergétique et que le focus est sur les rénovations phasées pour une longue durée, basée sur un audit à place. Ça, c'est le premier aspect où on fait le lien. Le deuxième, c'est que au même temps, on demande d'améliorer les EPCs, le Energy Performance Certification. Là, on doit inclure les rénovations qui sont cost-effectives. On doit ajouter les instruments financiers. Est-ce qu'il y a des emprunts dispo? Est-ce qu'il y a des subsides et tout ça? On doit ajouter des mesures pour switcher le fossil fuel boilers pour des mesures plus durables. Et on doit ajouter des advisory tools, des instruments de conseil, comme des conseils de rénovation ou des one-stop shops. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment déjà beaucoup d'éléments qu'on parle aujourd'hui dans la législation européenne. En même temps, et ça, c'est souvent et malheureusement typiquement la législation européenne, que ce n'est pas très binding, ce n'est pas très obligatoire. Hein, de Building Renovation Passport, il parle en fait une outil optionnel.
Alors, dans ce projet européen Abbey Road, le slide est un peu mélangé, mais bon, on va comprendre. En fait, c'est très clair. On a vu ce matin, il y a plein d'infos qui sont disponibles. Il y a les architectes qui ont des plans, il y a l'info du EPC, il y a l'info de l'installateur qui vient faire une maintenance. Alors, si on va utiliser toute cette info, en fait, on peut vraiment construire ce Building Renovation Passport. Et ce matin, en fait, on a déjà entendu quelquefois c'est quoi la différence entre les deux, trois instruments, entre le Renovation Roadmap et le Logbook. Alors, en fait, tu as le Renovation Roadmap comme l'exemple en Allemagne. C'est vraiment un document où tu as les process phasés pour faire les rénovations. Ça, c'est le futur qu'on doit aller, comme la question de ce matin. Et en même temps, tu as aussi le logbook, qui est un peu un repository, un inventaire de tout ce qui est ton bâtiment. Et je pense, là, c'est important qu'on est seulement au début de l'histoire, parce qu'il y a plein d'options. Du moment que tu as un repository digital de ton bâtiment, tu as vraiment des moyens au niveau de financement, au niveau de business, énormes. On a fait aussi une enquête au niveau européen, un peu pareil aux enquêtes que la Flandre a fait avec les gens en Belgique. On avait ici trois pays, la Bulgarie, Pologne et Portugal. Je vais passer vite, mais ce qui était quand même étonnant, que en Bulgarie, par exemple, plus que 80% pensent qu'ils peuvent vraiment réduire encore l'énergie. Et que plus que 90% pensent que vraiment l'efficacité énergétique, c'est important quand tu vas acheter un bien. Mais seulement 9%, ils ont du confiance sur le certificat énergétique. Et ça, c'est important parce que quand tu vas voir au niveau de Portugal, il y a presque moitié des gens qui ont confiance. 47% ont confiance dans la certification énergétique. Ça veut dire que le gouvernement portugais fait un meilleur job que le gouvernement bulgarien, ou que les gens, ils ont une culture différente. Mais on doit prendre ce genre d'infos en compte quand on développe des législations européennes. Peut-être en Pologne, encore important que en Pologne, 84% des gens, ils veulent surtout utiliser leur propre argent qu'ils ont disponible pour faire des rénovations. Et c'est seulement une minorité des gens qui veulent vraiment prendre les empreintes. Voilà. Et pour terminer, pour donner l'exemple, j'avais dit qu'il y a plein d'options du moment que tu as un logbook, que tu as une database sur le bâtiment. Ici, c'est le Better Home Business Model. C'est une business qui est mise en place par quatre grandes industries en Scandinavie. Ils ont commencé en Danemark, où ils réalisent, comme tous nous, que l'approche pour rénover les bâtiments, en principe, c'est très silo. Ça veut dire que c'est très individuel. Comme propriétaire, tu dois aller demander 5 ou 10 offres différentes, tu dois payer différent et tout ça. Et eux, en fait, ils font le streamlining de tout ce process, et en même temps, ils augmentent la qualité de leurs installateurs. Ils ont maintenant un réseau de 1500 installateurs, où ils donnent vraiment... Il aide en fait avec le processus de management. Voilà. Et c'était un peu ça pour montrer toute l'info que j'ai parlé. Ils sont disponibles au rapport à notre website. Ils sont gratuits à télécharger. Voilà. Merci. On enchaîne avec Lucas, que je vais inviter à parler du projet IMAP et la manière dont tu vois le rôle du secteur bancaire pour la rénovation. Merci Céline. Moi je pense qu'on a en face à nous un défi énorme et on peut attendre les targets que la Commission européenne a en tête seulement si on fait un jeu d'équipe tous ensemble. On laisse la Coupe du Monde, moi j'ai un passeport italien alors on a oublié la Coupe du Monde, ça fait longtemps. Mais on essaye vraiment de mettre un système européen en place qui peut vraiment aider à un changement de mentalité à partir de consommateurs. Ça, c'est le défi énorme. On peut jouer avec les chiffres. C'est très important d'avoir en tête qu'est-ce que c'est la dimension de la défi. En Europe, on doit plus ou moins rénover 250 millions de maisons avant 2050. Ça veut dire 8 millions de maisons par an. Ça veut dire que chaque jour, on doit convaincre 23 000 personnes
que ça va le coup de rénover la maison. C'est énorme. Maintenant, c'est presque midi. On a déjà perdu presque la moitié de la matinée. Pour, ça veut dire que 12 500 personnes sont déjà parties. Alors, ça, c'est la dimension de la défi qu'on a en face. Comment on peut faire pour aider la Commission européenne à mettre en place un système qui peut marcher, qu'il peut payer? Alors, au niveau fiscal, ben, je sors encore une fois mon passeport italien, on a un peu du mal. Surtout au sud de l'Europe, on a du mal à financer ça à travers les régions, les villes ou l'État. Et aussi, c'est une question de fair play. Ça veut dire que pour moi, en Europe, un citoyen grec il doit avoir plus ou moins les mêmes opportunités d'un citoyen allemand, flamand, danois ou belge en général. Je ne veux pas rentrer dans cette histoire. Et alors, il y a un rôle très important qui doit être joué pour le système financier. Et moi, je sens la responsabilité, parce que je suis à la tête de la Fédération hypothécaire, que mettre en place un système européen où le consommateur il peut comprendre tout de suite la valeur verte de l'investissement qu'il doit faire dans sa maison, c'est le déclencheur qui peut vraiment développer un système économique général. Ce n'est pas seulement important pour les banques, mais savoir que les banques sont prêtes à financer cette typologie d'investissement et peut vraiment déclencher un système industriel complètement imprévu. Et j'espère qu'il peut vraiment déclencher une petite révolution industrielle. Parce que je pense qu'aucun de nous dans cette salle il va faire un investissement vert pour avoir un taux d'intérêt plus intéressant. Si on va à la banque, on peut avoir un taux fixe facilement en Belgique presque 2%. Ce n'est pas avoir 4 basis points en plus ou moins qui va faire la différence. On doit essayer de développer un système. Quand tu vas à la banque, prendre un prêt hypothécaire vert, il faut avoir un smart meter for free. Il faut avoir des informations mises dans cette... dans une façon telle que les investisseurs, à la fin, ils peuvent avoir plus ou moins les mêmes informations en France, au Portugal, à Malte, parce qu'après, les investisseurs institutionnels qui vont acheter ce papier, ils doivent avoir une base commune en Europe. Et ça, c'est la révolution. Faire un marché de 500 millions de personnes et créer un marché unique qui peut vraiment développer des systèmes plus ou moins comparables. Il faut aussi pas trop idéaliser parce que les marchés hypothécaires en Europe sont très différents. En France, vous avez des précautionnés, que ce n'est pas la même chose que le marché anglais. Il y a des coûts de transition qui sont très forts et on n'est pas tous pareils. On est très différents. Il y a quelqu'un qui mange des pâtes, quelqu'un qui mange des canards et quelqu'un qui mange des McDonald's, des Big Mac. Mais on est quand même un marché commun et on doit développer un système commun. Ça, c'est le défi qu'on a en face. Nous, on pense que c'est notre responsabilité de mettre en place un système économique qui peut aider les banques à rentrer dans ce marché en façon économiquement intéressante pour les consommateurs, en premier lieu, et en deuxième lieu aussi pour les banques, parce que ça doit créer une ligne de win-win process pour tout le monde. Ça, c'est un peu l'idée. Je ne veux pas parler trop, mais je vais laisser la parole à les autres. Ouais, tu as encore un peu de temps, Lucas. Ah, d'accord, je peux continuer. Je peux te poser une question. Alors, je vais donner quelques détails en plus sur la phase pilote qu'on a lancée. C'est difficile de mettre ensemble les banques européennes, comme vous pouvez imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières 3 années? On a essayé de travailler avec beaucoup de gens qui sont même dans cette salle et essayer de faire comprendre l'importance de ce qu'on est en train de faire à les banquiers en premier lieu, mais aussi à tous les acteurs autour de nous, la Commission européenne, la Banque mondiale, l'IBRD, la Banque d'investissement européen, parce qu'il faut vraiment avoir un changement de mentalité autour de nous. Alors, on a mis en place un projet européen qui il a piégé, on peut dire, 40 banques. On a piégé 40 banques qui sont plus ou moins... 20% de GDP européen, ça veut dire qu'on a une masse critique énorme. On a des grandes banques françaises, on a des grandes banques italiennes, anglaises, allemandes, mais aussi des petites banques dans les vallées des Alpes ou en Espagne.
Et avec cette banque, on est en train de mettre en place un système IT qui va complètement révolutionner la façon de laquelle la banque interagit avec le consommateur. Et nous, on pense que le passeport, c'est un pilier de ce système, parce qu'un consommateur, quand on arrive à la banque, c'est comme un peu, comment dire, la feuille grise. Quelle couleur vous avez pour la voiture en France? En Belgique, c'est grise, mais en vérité, c'est rose. Je ne sais pas. C'est l'idée, c'est de créer une documentation de base pour tous les consommateurs qui peuvent aller à la banque et dire, ça, c'est la dimension de ma maison. Je veux avoir un prêt vert. Et la banque, elle peut facilement faire un prix sur la base de cette documentation. Et ça, c'est, je pense, le pilier. On ne peut pas commencer, on ne peut pas démarrer ce système sans cet instrument de base. C'est un procès d'alphabétisation de consommateurs. Il faut vraiment changer la mentalité. Après, c'est très utile pour la banque, je ne veux pas le cacher, parce que ça aide beaucoup la banque à gérer la ligne de risque de la banque et comprend s'il y a une faillite ou pas. Je vais aussi dire quelque chose. La banque n'a aucun intérêt que vous, consommateurs, vous tombez en panne et vous faites faillite. C'est un coût énorme pour la banque et c'est un coût énorme pour vous. Alors la banque, elle veut mettre en place tous les systèmes pour éviter d'arriver en situation dramatique et prévenir le drame. Et un système, je pense, de passeport, il peut vraiment aider à calculer exactement la valeur de la maison, première chose, que c'est la perte potentielle pour la banque. Aider le consommateur à faire les investissements où c'est nécessaire. Changer les fenêtres, faire de l'isolation dans le toit, faire des différentes choses, en fonction de le risque de consommateur. Pas tout le monde peut se permettre de refaire le toit demain matin. Il faut faire à petite étape. Alors la banque peut calibrer la politique et comment on dit, l'advice qu'il peut donner au consommateur en fonction de des données très claires. Aussi, une autre fonction très importante, c'est que si tout le monde va donner et avoir cette donnée de la même façon, on peut établir des statistiques qui vont aider les banques vraiment à établir les coûts potentiels d'une famille avec trois enfants dans la région de la Normandie. Et il peut vraiment aider à gérer le risque en façon complètement nouveau. Ça aide à éviter une crise bancaire. Ça aide à donner sensibilité financière au système et à la fin aussi à les familles. Ça, c'est notre idée de base. Alors, on a piégé cette 40 banques. On essaye d'avoir des meetings chaque 3 mois et de mettre ensemble un feuille de route qui peut aider les banques à mettre en place des prêts verts. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est vu la semaine dernière à Venise. Il y a un engagement fort pour ces 40 banques. Et dans les derniers 6 mois, plus ou moins, je dirais, 80% de cette banque, ils ont mis en place un projet vert dans leur institution. C'est pour moi un succès énorme, parce que ça veut dire que les gens qui travaillent avec nous, ils sont arrivés à changer la mentalité de le management de la banque. Ils sont arrivés chez leur boss, qui allait parler avec le boss, qui l'a parlé avec son boss, parce que dans la banque, c'est comme ça. Et il a dit, c'est très important, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et la fumée verte, comme j'appelle, elle est devenue réalité. Et on a de grands groupes. Je vais nommer, par exemple, un des plus grands banques scandinaviques, Nordea, qui est actif et il a des activités en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande. Il a développé une ligne verte complètement à disposition de ses clients. Ça, c'est une petite victoire, mais on ne va pas gagner seulement avec les banques. On a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'il y a encore 23 000 personnes qui doivent être convaincues aujourd'hui pour faire des changements dans leur maison. Et je pense que c'est très important de donner un produit à ces gens-là. Je viens de signer une offre pour ma maison hier soir. Je veux mon prêt vert et je suis en train de chercher dans des banques belges d'avoir un prêt vert pour faire des améliorations de la banque, de la maison que je viens d'acheter. Merci beaucoup. Merci Lucas. Et je pense qu'on va tous après penser à ces 23 000 personnes à convaincre dans la journée. Et peut-être que Franck va nous donner une recette utile pour y aller. Alors, moi, je n'ai pas de recette magique, hein, Karine, sinon je serais ravi de vous la partager avec vous. Mais en tous les cas, ce que nous avons tenté de faire avec les membres fondateurs et associés de l'expérimentation P2E,
Vous avez un petit flyer sur vos tables, donc je ne vais pas faire le résumé ici. Je pense que c'est pas ce qui vous intéressera le plus. C'est plutôt la démarche et comment on vient se connecter sur tout ce que vient de dire Martine et Lucas. On est parti d'abord des constats de difficultés que rencontraient les territoires dans leurs initiatives d'audit, les constats de difficultés liées à la transmission d'information. Et à partir de là, on s'est dit aussi, au niveau de l'expérimentation, qu'il fallait pas parler d'outillage à un client, pas le culpabiliser sur sa maison qui est pas bien. D'abord pour une bonne raison, c'est que si vous allez chez quelqu'un et vous commencez par lui dire « votre maison est vraiment pas terrible, hein. Les fenêtres fuient, votre chaudière est pourrie, puis votre toit, oh là là, il est pas isolé », les gens habitent chez eux, c'est leur maison, ils y ont mis leur cœur, c'est leur nid, vous pouvez pas leur parler comme ça. Et donc la première approche a été de dire « mettons en place un process de formation des auditeurs où vous rentrez chez les gens en leur disant « votre maison elle est formidable ». Et en plus elle a un potentiel extraordinaire d'amélioration. Vous riez, mais ça change tout. Si je viens chez vous en disant votre appart, c'est vraiment pourri. Hein. Les fenêtres, dis donc, t'as vu, on sent le froid et tout, c'est pas terrible. Mais qu'à l'inverse, vous êtes auditeur, donc professionnel, vous venez en disant dis donc, quel potentiel extraordinaire, vous l'avez payé tel prix, ça se trouve, en faisant des évolutions, en améliorant le confort, en améliorant tout ça, et aussi en embarquant systématiquement la performance énergétique, on arrive à proposer des améliorations. Donc ça a été l'enjeu des tests qui ont été menés, c'est d'abord de travailler sur ce process qui consiste à emmener les gens vers une capacité de décider de faire les travaux. Sinon, on est dans une mode coercitif, où vous imposez aux gens de faire. Ça marche aussi. Vous pouvez mettre des lois qui forcent les gens à faire des choses. Ça fonctionne aussi, mais c'est pour le moment pas ce qui a été décidé dans nos pays. Et donc, on cherche une solution alternative qui est de donner envie aux gens de le faire à travers ce qu'ils veulent de toute façon faire dans leur maison lorsqu'ils les achètent. C'est-à-dire que comment je fais des modifications chez moi et donc de les accompagner lors de ces choix de modifications liés au confort, l'extension, changer les peintures, tout bêtement, modifier une cuisine, comment on embarque systématiquement la rénovation énergétique. Donc ça, c'est le premier constat. Le second, c'est le coût lié à tout ce qui a été développé pour faire de l'audit. En fait, tout ça coûte de l'argent. Vous avez des personnes qui sont dans les sociétés, dans les collectivités locales qui accompagnent les audits. Vous avez des auditeurs. Tout ça coûte de l'argent et vous avez un coût de parcours administratif entre l'audit, les 12 documents à remplir pour obtenir une subvention avec les différentes échelles locales, régionales, nationales, les documents à remplir pour obtenir vos crédits d'impôt, les documents à remplir pour obtenir votre prêt. On en arrive à des coûts de parcours administratifs qui se chiffrent en milliers d'euros. Et ça, c'est un coût masqué qui nous semble extrêmement important d'exprimer, parce que si on veut massifier, il faut que le coût masqué soit réduit et devienne beaucoup plus marginal que ces milliers d'euros. Sinon, il y a forcément quelqu'un qui paye, et celui qui paye, on l'a vu avec les banques et la diffusion des prêts, si vous forcez les banques à se charger d'un coût administratif dont elles ne veulent pas, évidemment, elles vont refuser de diffuser ces prêts parce que ça leur coûte en temps et en personnel dans les banques. Et c'est tout à fait compréhensible. Et en face, elles vont dire « Mais oui, mais moi, j'ai pas de gain particulier avec mes clients. » Donc ceci, fort de ce constat, on a travaillé sur des solutions d'audit qui soient à des coûts plus bas et surtout qui soient, en fait, dans un entonnoir de systèmes d'information. C'est-à-dire pour reprendre ce qui a été dit précédemment, l'objectif de l'expérimentation, c'est un, donner envie, comme je le disais tout à l'heure, avec un auditeur formé à cela. Deuxièmement, recueillir des informations qui sont en fait les premières pierres et les premières informations qu'on va être sur la plateforme de système d'information qui a été développée en open source par P2E. Pourquoi ? Parce qu'il faut la connecter ensuite à d'autres systèmes. Il faut pouvoir renvoyer cette information vers les banques. Et il faut la renvoyer à coût marginal. Si vous demandez au propriétaire d'à nouveau re-remplir ces formulaires, c'est du temps passé, c'est
de blocage administratif qui fait que bah, les gens vont s'épuiser dans le parcours de rénovation. Donc l'objectif qui nous a guidés, c'est aussi d'avoir un système d'information agile, évolutif, qui soit basé sur des combinatoires et non pas sur des calculs, qui fait qu'on peut le faire à un coût qui est autour aujourd'hui de 400 €, et qui permet ainsi de donner une première approche sur l'identité de la maison, puisque nous sommes focalisés sur les maisons individuelles, ses caractéristiques principales, les processus qu'il faudrait mettre en place dans les étapes de rénovation et les bouquets de rénovation que l'on peut faire soit en une fois, soit par étape. L'idée étant, une fois qu'on a fait ça, évidemment, de pousser cette information vers les entreprises, les artisans, qui, elles, ensuite, pourront déjà récupérer ces premières données pour établir une première proposition financière et un devis. Pousser également cette information vers les banques, de manière à ce qu'elles puissent avoir une évaluation du volume de travaux à faire. Et là, on mène des expérimentations avec le crédit foncier, où, à partir du passeport, du coup, la banque se retrouve avec une première information sur une fourchette de volume, une fourchette de prix de travaux, entre 5 et 10 000, entre 10 et 20 000. Et donc la banque peut ainsi intégrer cette information et proposer lors de la transaction un volume de prêt supérieur qui intègre ces travaux. Donc voilà, on simplifie la vie des gens, on intègre immédiatement dans le crédit immobilier lors de la transaction ce volume de travaux supplémentaires, sans autre contrainte. Et l'objectif ensuite, c'est encore une fois, là aussi, de ne pas contraindre avec des audits, des contrôles, des coûts qui, j'entends, sont extrêmement importants si vous voulez gérer de l'argent public. Mais là, comme il s'agit de mettre en place un système de massification, il faut trouver des solutions à coût marginal. Et plus vous mettez de crédit, plus vous mettez de contrôle, plus il y a du coût. Donc l'objectif est de trouver le bon curseur avec tous les partenaires pour savoir où se trouve le management de l'incertitude qui fait qu'on va être à un coût marginal de gestion de l'information et de transmission de l'information en maîtrisant le risque de gens éventuellement qui n'ont peut-être pas donné la bonne information avec un risque de défaut sur l'information transmise. Parce que si on veut contrôler tout le monde, c'est possible. Nos amis allemands ont un système absolument parfait de contrôle amont, contrôle aval des travaux, mais qui représente un coût qu'on a pu évoquer précédemment de gestion de ce parcours. Alors si vous voulez passer d'un taux de rénovation actuel en Europe qui doit être de 1% du stock par an au taux de rénovation nécessaire tel qu'évoqué pour atteindre un stock bas carbone en 2050, il faut passer de 1% à 4%, les fameux 23 000 personnes à convaincre tous les jours. Donc si vous voulez faire ça, il faut des outils de massification et des outils de massification dont le coût de gestion et de traitement de l'information doit être impérativement marginal. Ce que peut nous permettre de faire le digital, à partir du moment où on travaille sur des systèmes de plateformes interopérables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des systèmes fermés. Or aujourd'hui, on a vu beaucoup de systèmes se développer qui ne sont pas forcément interopérables et des systèmes qui ne sont pas forcément interconnectables avec les systèmes bancaires, par exemple. Comment je transfère une information, tu parlais de la carte grise de l'immeuble, de son jumeau digital, de son avatar, bref, vous l'appelez comme vous voulez, mais comment je transfère une donnée recueillie par un auditeur ou remplie par un propriétaire dans un système d'information bancaire qui permet d'analyser le risque lié à cette maison. Et là, on se retrouve à travailler au niveau européen, notamment sous l'influence du groupe Finance Durable, sur ce qu'ils ont appelé une taxonomie. C'est-à-dire, il nous faut définir des termes sur lesquels on va mettre des informations derrière et qui vont toujours être les mêmes. En gros, ce qu'on vous propose, c'est de travailler ensemble à l'édition de l'équivalent du plan comptable pour le bâtiment. On ne vous demande pas dans un plan comptable de remplir toutes les lignes, il y en a plusieurs milliers. Par contre, on vous demande de mettre une information liée à un intitulé toujours à cet endroit-là. Et donc, l'idée du carnet numérique sur laquelle on travaille, c'est de travailler sur une taxonomie qui fait que, quel que soit le système, quel que soit le logiciel, quel que soit le porteur de projet, on partage une taxonomie qui fait que l'information peut être transférée sans crainte d'un système à un autre.
Pourquoi ? Parce que, comme le disait Lucas, une banque se contrefiche de savoir quelle est l'épaisseur de l'isolant sur la maison. Ce qu'elle cherche à savoir, c'est, une fois qu'elle a compilé toutes ces informations, quel est nos niveaux de performance énergétique potentielle et comment elle traduit cela en risque dans son volume de prêt pour le traduire ensuite en risque au niveau de la commission Bâle pour savoir quel est son niveau d'exposition en fonds propres. Et là, on parle de plusieurs millions de prêts qui doivent être analysés de cette manière-là. Aujourd'hui, sans dévoiler de secret, Lucas, les banques ne savent absolument pas ce sur quoi elles ont prêté de l'argent en termes d'efficacité énergétique des bâtiments. C'était un des résultats, d'ailleurs, des recherches EMAP. Elles n'ont aucune information sur la qualité environnementale et énergétique des bâtiments sur lesquels elles ont prêté. Elles sont aveugles et sourdes. Donc il faut recréer cette information-là, la transférer, et comme le disait Luca, on ne va pas dépenser plusieurs milliers d'euros fois 250 millions de bâtiments pour arriver à avoir cette information qui est par ailleurs disponible dans d'autres systèmes ou chez d'autres partenaires ou porteurs d'informations. Donc collecter à coût marginal, gérer, transmettre. Et vous voyez que là, le process pour nous commence à se constituer. On met les morceaux de puzzle. Et nous, on est très heureux de travailler avec les territoires qui sont avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont chacun une partie de la réponse. Les territoires ont déjà fait énormément de choses. Donc notre objet aujourd'hui, c'est de connecter ces initiatives de manière à avoir un système d'information pertinent qui puisse être à la fois à disposition des particuliers. Il est hors de question que l'information sur leur maison, il n'y ait pas accès, donc il faut absolument qu'ils le managent. Donc ils ont accès à ce fameux logbook et ils savent à qui ils veulent envoyer l'information. Et bien entendu, ils peuvent envoyer l'information en tant que de besoin à leurs clients, à un artisan pour un devis ou pour faire un audit plus poussé. Et ainsi, on se retrouve avec une centralisation de l'information par le propriétaire occupant qui lui permet de gérer en entonnoir, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on commence par simplement regarder les surfaces, les volumes, la qualité de l'isolant existant, la performance énergétique existante, pour arriver à des informations qui se complètent, se compilent, et qui permettront, une fois les travaux faits, de suivre la consommation énergétique dans le temps. Là aussi, le meilleur tracker de la performance des travaux, c'est la consommation réelle de la maison. Si vous avez une maison qui consommait 300 ou 400 kWh mètre carré par an, la meilleure façon de savoir si les travaux ont été bien faits, c'est de regarder combien elle consomme 2 ans plus tard. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui peuvent tricher et les travaux ne vont pas être faits et ils vont vivre à 16 degrés l'hiver en mettant des pulls. Oui, il y en a sans doute qui feront ça. Et alors ? Si leur choix, c'est quand même de ne pas consommer et de descendre à 50 kWh mètre carré par an en vivant tout l'hiver avec un gros pull, c'est leur choix. Et effectivement, il y aura cette possibilité-là. Mais encore une fois, ne nous focalisons pas sur les gens qui vont peut-être tenter de tricher dans le modèle, quand dans le même temps, vous avez quand même dans tous les systèmes que l'on voit aujourd'hui, 99% des concitoyens qui jouent le jeu. Donc ne nous focalisons pas sur comment un système pourrait être détourné, focalisons-nous plutôt sur comment un système à faible coût, encore une fois, de transmission d'informations puisse massifier la rénovation énergétique en rendant cette rénovation énergétique intéressante pour celui qui en bénéficie. Or, aujourd'hui, il faut absolument que les systèmes d'incitation, qu'ils soient fiscaux, subventionnels ou prêts, soit focalisé sur le propriétaire. C'est lui qui doit être le moteur de la rénovation. C'est lui qui décide s'il le fait ou pas. C'est lui qui doit bénéficier des avantages. Donc si vous lui mettez un système de primes, imaginons qu'on soit dans une rénovation par étapes, et que vous lui mettez un système où au fur et à mesure des étapes de rénovation, son taux d'intérêt diminue, on lui rajoute une subvention, on lui rembourse ses audits. On vient là dans un système, je pense, où on donne un avantage au propriétaire, et plutôt que de le contraindre, on lui donne envie d'aller vers un système de rénovation. Donc voilà
l'environnement global de ce que nous testons avec le passeport. Encore une fois, le travail que nous menons actuellement après les premiers tests qui ont fait l'objet d'un retour il y a un peu moins d'un an, c'est de le développer avec les territoires et de travailler avec les autorités sur cette volonté, cette possibilité de massification dans les mois qui viennent. Céline, je peux faire deux commentaires sur ce qu'il a dit Franck. Je pense que je vais faire un premier commentaire sur la taxonomie. Ça, c'est vraiment une petite révolution que Bruxelles elle est en train d'essayer de faire. Elle est paragonable pour moi à la révolution de l'invention du maître. Ici, à Place Vendôme, si tu vas, il y a un bâtiment, je pense que c'est le palais, je sais pas, c'est de justice quoi, où il y a une petite ligne d'un mètre qui s'était mise là-bas pour montrer aux particuliers comment utiliser la nouvelle mesure, le maître de la Révolution française. Avant de ça, en France, vous avez eu, je pense, 250 000 différentes typologies des mesures. C'était impossible de développer du commerce en façon réelle. Et la même chose, parce qu'une fois qu'on a le maître vert, on peut aider les consommateurs à comprendre le risque qu'ils sont en train de prendre en charge. Il y a un risque énorme que chacun de vous, il tient dans la maison, qu'il ne le voit pas. Mais quand un jour on va avoir une crise, tous nous, on va comprendre le risque ou les cachets. Et vous, comme citoyen, comme consommateur, mais aussi les banques, ils vont prendre probablement dans le bilan un risque énorme. Aujourd'hui, le marché est croissant et on ne voit pas de ce risque. Mais il est devenu un risque caché qu'on doit essayer, et on a, je pense, la responsabilité de faire ça, de trouver un maître pour mesurer où il y a de risques. Je suis un peu négatif, mais après on parle de potentiel. Oui, hein. Qui dit risque dit potentiel. Mais c'est la même chose. Et il faut vraiment trouver un système européen pour mesurer où il est caché le risque. Parce qu'autrement, on a un problème des soutiens financiers de notre système. Pardon, je me répète. C'est tout à fait ça. C'est que la révolution de vouloir une taxonomie partagée, c'est vraiment fondamental dans notre approche. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui, effectivement, comme je le disais, sont aveugles et sourdes. Si vous ne leur donnez pas une information audible qu'elles peuvent traiter, encore une fois, à coût marginal, je vous rappelle que les coûts de traitement des dossiers de prêts immobiliers, qui sont quand même des prêts extrêmement importants, le coût de traitement, il est inférieur à plusieurs centaines d'euros. Si en face, vous leur demandez de faire des prêts supplémentaires sur la rénovation énergétique qui vont être entre 10 et 50 000 euros avec plusieurs milliers d'euros de coûts de traitement, ça ne marche pas. Donc vous voyez qu'on a... j'insiste là-dessus parce que c'est peu souvent abordé, mais vraiment, tenez compte du coût de l'information dans les systèmes que vous voulez mettre en place. Ça, le coût doit être abordable et supportable par l'ensemble des partenaires qui doivent travailler sur ce sujet-là, faute de quoi on peut avoir le meilleur système du monde. Hein. Je sais qu'on peut travailler sur des systèmes de contrôle extrêmement performants, mais le coût ne permettra pas une massification. Et la taxonomie, le fait d'avoir un standard de mesure, de savoir ce qu'est un bâtiment vert, ce qu'est une performance énergétique réelle. Tu l'as abordé, Martine, sur la confiance dans les certificats, dans les DPE. Le niveau d'incertitude, on va dire comme ça, des diagnostics de performance énergétique en Europe est très différent. Donc quand vous dites à une banque, bah, vous pouvez prendre les diagnostics de performance énergétique, mais que le niveau d'incertitude, il va de plus ou moins 20% à plus ou moins 200%, elles ne peuvent pas s'appuyer sur cette information parce qu'elles-mêmes ne savent pas intégrer ce niveau d'incertitude variable dans leur mesure du risque, comme le disait Luca, pour maîtriser un risque futur lié à des aléas climatiques, énergétiques, que sais-je encore. Donc on a vraiment besoin de pas forcément standardiser. Je ne suis pas un apôtre, encore une fois, d'une volonté de standard unique et d'une règle qui soit pour tout le monde, mais en tous les cas, d'avoir une taxonomie qui fait que quand on dit des mots et quand on se met d'accord sur une mesure, on parle tous bien la même chose. Aussi, par rapport à ce que Franck a dit, je pense que la dimension de digitalisation est aussi très importante, et on l'a vu dans la dernière révision de la directive européenne. Donc ça, vous connaissez probablement déjà. Donc je vais passer. Dans les travaux qu'on mène au niveau européen, on a cœur à garder la dimension globale du bâtiment, qui après fait sens aussi pour la banque et qui fait sens pour les différentes stratégies de financement de la rénovation. Je voudrais juste faire un petit passage
Martine nous a parlé tout à l'heure du contexte européen. Si on met ça dans une trajectoire temporelle, on a aujourd'hui des objectifs à l'horizon 2020, des objectifs à l'horizon 2030, avec la conclusion qui va bientôt arriver de tous les textes législatifs sur ce paquet qu'on appelle Clean Energy Package, directive bâtiment, directive renouvelable, gouvernance, ce qu'on appelle aussi le market design. Tous ces textes mis ensemble font qu'on parle aujourd'hui d'éventuellement augmenter l'objectif à l'horizon 2030 pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc le dialogue reste ouvert sur 2030, même si le paquet Clean Energy Package est presque finalisé. C'est le jeu européen. Mais il ne faut pas oublier aussi 2050. Et donc 2050, c'est une réalité qu'on a la chance d'avoir déjà un petit peu appréhendée dans le secteur du bâtiment, notamment parce que les stratégies de long terme en parlent déjà. Et donc je dirais qu'on a un petit avantage parce que voilà, c'est quelque chose dont on parle déjà des milestones, des indicateurs, 2030, 2040, vers 2050. Je dis ça au passage, il y a une consultation qui est encore en cours sur 2050, qui se termine le 8 octobre. J'espère que vous avez pu participer. Voilà, et donc d'une réduction qui était calée sur 80 à 95% d'ici 2050, aujourd'hui on est dans une discussion ouverte sur ce qu'on appelle le net zéro. Donc ça c'est bien important pour l'avoir en tête, parce que pour faire un petit retour sur la préoccupation efficacité énergétique à plus court terme, eh ben, malheureusement on n'est pas dans les clous pour 2020. Et c'est le cas pour un bon nombre de pays européens, mais aussi pour la France. Donc la dimension bâtiment, la préoccupation efficacité énergétique, on doit pouvoir la résoudre à l'horizon 2030, mais aussi voir ce qu'on peut faire pour 2020, en sachant que, on le sait, pour la rénovation du bâti, on doit accélérer, on doit massifier. Alors voilà, ce n'est pas un message négatif que je veux faire passer, c'est pour rappeler l'importance d'outils comme le passeport rénovation pour aider les citoyens, qu'on appelle parfois consommateurs, mais qui sont aussi citoyens qui habitent dans leur maison, à franchir le pas. Donc voilà, juste très rapidement pour nos attentes. Donc les stratégies doivent amener à une action amplifiée. On a besoin d'outils pour augmenter l'appétit de rénover. Il y a tout le potentiel des technologies de contrôle de la demande et les technical building systems dans le jargon européen qui ont été, donc leur potentiel a été reconnu. Je voudrais rappeler aussi un concept qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais le concept efficiency first. Donc l'efficacité énergétique doit permettre de bien équilibrer dans les stratégies de long terme le rôle de la demande et de l'offre d'énergie. Et donc le bâtiment, c'est le premier lieu où on est amené à regarder ça. Voilà, et puis les bénéfices multiples, on en a parlé, mais voilà, ils sont aussi amplifiés dans ce paquet. Voilà, plus particulièrement par rapport au passeport, mais ça on en a déjà parlé aussi, moi je vois le passeport comme un réducteur de la complexité, pour pouvoir accélérer. Et aussi la dimension très importante de l'articulation entre le court terme et le long terme. Donc moi, je pourrais appeler le passeport comme étant un gap filler entre les attentes des différentes parties prenantes, mais aussi entre les différents horizons temporels. Donc voilà, et alors après, et ça c'est pour vous qui travaillez plus concrètement sur l'outil, les attentes. Et les attentes, elles se situent au niveau européen de manière assez pragmatique pour orienter ce que la Commission va pouvoir faire d'ici 2020 pour son étude sur le passeport, pour bien comprendre donc l'expérience de l'utilisateur, l'expérience d'un passeport pour accompagner l'utilisateur, l'expérience pour aider les professionnels à mieux travailler, à gagner en qualité, parce que ça va renforcer la chaîne de valeur et la confiance. La question de savoir si on pourrait imaginer des passeports pour les différents segments, je ne sais pas, des passeports écoles, des passeports pour les maisons individuelles, c'est déjà en cours, des passeports pour les hôpitaux, et arriver à avoir une dimension européenne dans ce dialogue.
Et donc là, c'est un grand appel au, encore du jargon européen, excusez-moi, du best practice sharing de tous ces pilotes qui sont en ce moment en cours. On a besoin de savoir pourquoi ça marche, quand ça marche et aussi quand ça ne marche pas. Et voilà, le catalyseur pour le financement, on en a déjà parlé. Mais donc voilà, il m'a semblé utile de rappeler le potentiel de ces outils. On est à la veille d'élections européennes. Le décideur européen, qu'on appelle aussi policymaker à Bruxelles, se demande quoi faire au niveau européen. Et donc, on pense au niveau de EuroACE, mais je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui pensent la même chose, que toutes ces politiques ont un sens. Encore faut-il pouvoir démontrer et ramener les expériences quand elles sont concluantes, et aussi rappeler le potentiel, les 23 000 de Lucas. Donc voilà, je vous remercie. J'en profite juste pour flaguer un document qui va bientôt sortir de EuroACE, qui est une petite note de lecture sur la directive EPBD et qui parle des passeports, mais pas que des passeports. Donc voilà. Et donc voilà. Donc il est temps de prendre quelques questions de la salle. J'en vois une par ici. Puis il y en aura peut-être aussi du panel. Une par ici. Donc je vais commencer au fond. Merci, désolé, je vous fais courir. Donc Thierry Riezer, gérant d'Enertech, bureau d'études. Voilà, j'approuve complètement la logique de bouquet de travaux précalculés, puisque nous-mêmes, on a travaillé sur de tels bouquets. Je voudrais juste rappeler que c'est une façon de gagner du temps et pour faire vraiment ce qui est intéressant et ce qui apporte de la plus-value quand on fait de la rénovation, c'est-à-dire le calcul avec des méthodes simplifiées pour aller plus vite, pour gagner du temps, ça apporte aucune plus-value. Par contre, être vraiment sur la maison et réfléchir à la migration de vapeur dans les murs anciens, réfléchir à la qualité d'usage, la qualité architecturale, ça c'est une vraie plus-value pour les particuliers. Donc utilisons l'argent du diagnostic pour des choses vraiment utiles. Donc je rejoins complètement le discours. J'ajouterais quand même un petit bémol sur la notion du par étape. Je voudrais quand même souligner que les méthodes de calcul couramment utilisées pour réfléchir à la rénovation ne prennent pas en compte toutes les dégradations de qualité engendrées par une approche par étape. Les petits ponts thermiques à droite à gauche, la qualité de l'étanchéité à l'air qui est impossible à rendre parfaite quand on travaille à 5 ans d'intervalle en coordination de travaux. Quand on a tous les artisans sur un chantier en même temps, c'est déjà compliqué de faire une bonne étanchéité à l'air. Quand c'est à 5 ans d'intervalle, j'y crois pas trop. Et généralement, les outils de calcul négligent complètement ça. Or, c'est quand même une sous-qualité qui va provoquer une sous-performance à la fin. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Et juste pour rappeler que, à mon sens, du coup, les politiques publiques et les passeports, tous les dispositifs de passeport de rénovation, devraient quand même rappeler qu'en priorité, la bonne façon de rénover, c'est la réno complète, et que les autres façons de rénover sont quand même dégradantes d'un point de vue de performance, et aussi du coup du point de vue du temps de retour énergétique et des capacités à mobiliser des financements. Voilà. Franck. Oui, pour répondre à cela, on s'aperçoit, y compris avec nos collègues de l'Observatoire BBC Finergie, que quand vous accompagnez les gens sur la potentialité d'amélioration, on a un taux très fort de gens qui vont bien au-delà d'une seule étape. Pourquoi ? Parce que vous créez un terme qu'a dit Karine, vous commencez à créer une relation de confiance. À partir du moment où vous rentrez dans une relation de confiance avec le propriétaire, que vous lui dites, bon, vous pourriez le faire en deux fois, mais... peut-être, c'est, comme vient de le dire Thierry, c'est plus simple, plus rapide, plus efficient de le faire en une, et en termes de coûts, c'est moins élevé. Si derrière, mon ami banquier, conscient également de cela, est prêt à donner le crédit qui va avec, ça marche. Mais il n'en reste pas moins. Je vous rappelle quand même que dans pas mal de cas, la France, on a quand même une maîtrise du taux d'endettement de nos concitoyens. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose. Et ben, il faut quand même passer par l'étape, parce que sinon, on ne fait rien et on est déceptif. Donc là aussi, est-ce que... tout ce qu'on fait sur la précarité énergétique, je l'entends. Il y a aussi une classe moyenne, et on l'a bien vu dans les expérimentations, où le fait de basculer d'une étape ou deux à la totalité, eh ben, ils ne peuvent pas se le permettre au niveau de leur taux d'entêtement. Et là, effectivement, il n'y a pas d'outil aujourd'hui pour ça. Moi, j'espère les inventer avec EMAP et les travaux qu'on fait sur l'efficacité énergétique. On a beaucoup travaillé ces 10 dernières années sur les précaires, c'est-à-dire 10 à 15% de la population, mais on n'a
pas de réponse à donner aux gens qui sont en maison individuelle, en classe moyenne, qui ne sont pas en précarité énergétique, qui ne sont pas dans des capacités de financer ou d'autofinancer des travaux, qui souhaitent les faire, mais qui se retrouvent contraints par les règles bancaires. Et là, il y a effectivement un travail à mener. Pour le moment, la solution, c'est la rénovation par étapes. Mais les retours d'expérience dont j'ai pu discuter aussi chez Effinergie font que quand les gens peuvent mettre le complément de financement, ils le font. Quand ils ne peuvent pas, bah, je pense qu'il faut aussi ne pas les laisser de côté. Ça me paraît difficile d'être déceptif. Oui, je pense que ça, c'est un problème très important, parce que je m'appelle, quand on a commencé les discussions, les banques voulaient seulement des bâtiments catégorie A. Mais je pense que le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est une catégorie G, F. Et permettre à des gens qui sont socialement faibles à améliorer doucement leur maison. C'est là où la commission doit intervenir. Alors notre système, c'est basé sur un système très simple. On voudrait essayer de créer dans la banque un système d'advisory où la personne elle trouve un peu d'argent qui vient de la banque. Elle dit « je te donne 8000 euros en plus pour faire les travaux chez toi ». Mais aussi, tu dois considérer que tu es basé à Bruxelles. Il y a la Bruxelles Capitale qui te peut donner 5 000 euros. Il y a la région où tu peux donner quelque chose en plus. Ça veut dire que le portfolio de travaux, ça ne va pas être seulement l'argent qui vient de la banque. Ce n'est pas trop, parce qu'il ne doit pas augmenter le risque de profil. Mais il doit être calibré vraiment sur le profil social de la personne et de la capacité de repayer. Et utiliser, mettre en façon optimale tous les soucis qu'on peut trouver sur place. Ça, c'est l'idée qu'on est en train de développer chez les banques. En plus, on voudrait bien que les partenaires des banques, je pense à, comment on dit en français, les utilities, les sociétés d'électricité, ils peuvent mettre ensemble un paquet de marketing pour créer un paquet électricité ou autres outils, des matériaux, des gens qui font des matériaux. On a pensé des autres sociétés qui pourraient être dans ce système que la banque va déclencher pour améliorer le vantage pour les petites personnes. Je veux dire deux choses. Il faut faire notre système, il est pensé pour un couple jeune qui arrive dans une ville moyenne en Europe, peut être Madrid, Paris, Francfort, Munich, Amsterdam, et probablement ils ont l'argent seulement pour mettre le down payment, mais ils n'ont pas l'argent pour faire des travaux dans la maison. C'est eux qui vont rater le moment où ils vont demander un prêt hypothécaire. On doit attendre autre 20 ans pour remettre la maison en état. Parce que si la personne il a des enfants, quand la maison est vide, tu peux faire des travaux. Quand tu as des enfants dans la maison, tu as terminé les travaux. Et ça, c'est l'opportunité pour... Et la banque, elle est à un moment particulier. Je pense, j'espère, qu'on peut aider vraiment des couples jeunes à avoir une chambre en plus ou avoir une maison un peu plus confortable avec une optimisation de l'argent qu'elle a disponible. Merci. Donc, ça va aussi créer des emplois dans la banque. Martine. Bon, ça fait longtemps que je n'ai plus parlé pour ça. Non, mais très vite, je pense, on a reçu beaucoup de remarques aussi. Est-ce qu'on a vraiment stimulé les rénovations phasées ou non? Techniquement, je suis d'accord, faire une rénovation dans une étape, c'est plus efficace, c'est plus facile et tout ça. Mais la réalité est différente. Je pense en Allemagne, c'est 75 ou 85% des rénovations qui sont phasées pour l'instant. Et on ne peut pas changer la mentalité dans 5 années pour changer ça. Mais je suis d'accord que si on fait une rénovation phasée, dans toute mesure, on doit éviter le lock-in effect. Un petit exemple, moi je suis en train de rénover, mon père aussi. Moi j'ai mis 30 cm d'isolation dans mon toit, mon père a mis 12 cm. Il me demande pourquoi tu as mis 30 cm. Je dis voilà, je connais la situation, je veux que c'est future-proof. Il dit ah merde, je ne savais pas. Alors voilà, il faut vraiment mettre ça pris en charge. Et ce que je veux dire, que si on fait alors la rénovation phasée, ça va être contrôlé ou au minimum, tu as besoin des conseils de qualité. Et pour moi, un auditeur qui fait les audits, c'est vraiment une profession qui a besoin de bonne éducation. Et ce n'est pas quelqu'un qui fait architecture, qui fait ça. Non, c'est vraiment une profession séparée.
Je termine juste sur ce que dit Martine. Ce qui est vraiment fondamental dans l'histoire, c'est de remettre les responsabilités là où elles doivent être. C'est aux artisans d'être responsables des travaux qu'ils font. D'où le carnet numérique, où ils remettent de l'information. Chacun redevient responsable de ce qu'il fait. Moi, je ne crois pas à la coercition. Je ne crois pas au contrôle, où on vient contrôler le travail de quelqu'un. Je suis beaucoup plus... si on veut massifier, encore une fois, sur une vision où les gens sont compétents, si on leur donne la bonne information au bon moment, on a des artisans et des entreprises qui savent faire. Par contre, on leur impose la responsabilité et l'assurance qui va avec. On travaille avec les assureurs, notamment un assureur français qui s'appelle SMA BTP sur une assurance qui s'appelle Rhénosure. Et là, il faut donner une garantie. Je veux dire, sortons du bois. Arrêtons de nous masquer avec des contrôles. C'est le rôle de ceux qui font que d'être assurés et de garantir une performance. C'est aussi ce que veut la Commission européenne. Parce que dans mes autres travaux en tant que président de la Fédération des ingénieurs climaticiens, on va vers des situations où la garantie de la performance devient fondamentale. On passe d'une obligation de moyens à une obligation de performance. Et ça, je pense que c'est la deuxième clé, c'est la capacité des gens à prendre leurs responsabilités et à garantir une performance. Merci. Alors, on me fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Je suggère de prendre 2 rapides questions par ici. Oui, on va les prendre ensemble et après on prendra les réponses. Merci. Bonjour, bonjour. Donc Hélène Pulse, EDF. Alors j'avais 2 questions assez courtes pour Monsieur Lucas Berthalot. Donc la première, c'était une question de précision par rapport à la terminologie de prévert que vous avez employée. Je voudrais savoir ce qu'elle recouvre exactement. Est-ce que en fait, les financements que vous souhaitez mobiliser au niveau européen visent à faciliter l'intégration des ENR dans le bâtiment, ou alors est-ce qu'elles recouvrent également des actions de rénovation concourant à une baisse des consommations et des émissions de gaz à effet de serre? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que dans un contexte aujourd'hui de taux d'intérêt bas, voire très bas, comment réussissez-vous à mobiliser les banques de détail à consentir des prêts aux particuliers pour des montants, alors qui, à l'échelle individuelle du particulier, peuvent représenter des sommes considérables, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, mais qui, finalement, représentent peu pour le métier d'une banque de détail. Il y avait une autre question à côté. Oui. Oui, bonjour, Marielle Roger, Transition 2030 Paris. Je voulais savoir comment ça s'articulait le P2P avec le diagnostic technique qui est demandé lors de la mutation, enfin de la vente d'un appartement qui est obligatoire. Parce que, bon, il se trouve que j'ai fait un diagnostic technique pour un appartement que je voulais vendre en altitude il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je veux rénover cet appartement. Bon. Donc, en fait, la démarche P2E me semble proche de la démarche diagnostic technique. Et c'est à peu près le même coût. Alors, je voulais donner un peu des détails sur ce que c'est notre idée. En vérité, on appelle ça prêt hypothécaire vert, mais en réalité, c'est prêt hypothécaire efficacité énergétique. Parce qu'on pense que l'efficacité énergétique a 2 impacts très importants pour la banque. Il va améliorer la valeur de la maison et il va changer la... qu'est-ce qu'on appelle disposable income, ça veut dire l'argent, les moyens pour les personnes. Alors, notre idée de base, c'est que moi, Lucas, je vais à la banque, je demande un prêt hypothécaire, mais j'ai acheté une maison de catégorie F. La banque, elle me dit, Lucas, tu as des potentiels, et tu peux améliorer ton appartement. Et la banque, elle me dit, écoute, Lucas, si tu fais les travaux qu'on te dit de faire, on pense que ta valeur de la maison, elle va changer, elle va améliorer. On te peut donner quelque chose en plus au moment de prévert, mais tu vas faire qu'est-ce que nous, on te dit de faire. Moi, j'accepte la défi. Je dis d'accord. Il y a un expert qui va donner 2 typologies de suggestions. Les travaux à faire pour le montant que j'ai seulement 8 000 euros. Et aussi,
mais donner la connaissance sur tous les subsidies, ou comment dire en français, l'argent public, les subventions qu'on peut avoir pour cette chose. Je vais faire les travaux. La banque, à la fin des travaux, elle m'a fait une analyse, une expertise de la maison. Elle dit, effectivement, Lucas, tu as amélioré la valeur de ta maison. À ce moment-là, on va te changer ton coût de ton prêt hypothécaire. Maintenant, le coût de prêt hypothécaire, ça peut être différentes choses. Ça peut être le taux, ça peut être la commission. Et en plus, l'idée, c'est de lier le prix dans toute la vie de prêt hypothécaire à la consommation de la maison. Ça doit changer la mentalité des gens. Et aussi, ça aide les gens à organiser la planification des travaux dans la maison en façon graduelle, sans créer des chocs pour faire des deep renovation dans les premières années. Ça, c'est un peu l'idée de base. Après, on laisse tous les pays d'implémenter cette idée dans différentes façons. Mais l'idée, c'est d'avoir des piliers clairs, donner plus d'argent pour faire les travaux, analyse, expertise, avoir des données disponibles et après lier le prix de prêt hypothécaire à la consommation de bâtiments. Oui, très rapidement sur les diagnostics. Les diagnostics aujourd'hui sont obligatoires. Le diagnostic de performance énergétique comporte deux volets, l'évaluation de vos factures et des préconisations. Tout le monde a fait le constat que les préconisations sont des copier-coller systématiques dont vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et effectivement, de ce fait, l'État français aujourd'hui réfléchit à la nouvelle mouture du diagnostic de performance énergétique. Et P2E est une des solutions pour avoir des préconisations plus précises et qui tiennent beaucoup plus compte des chaque individuel que ce que vous avez aujourd'hui dans votre diagnostic. Je vous défie de faire des travaux avec ce qui est écrit dans votre diagnostic. Okay. On me suggère de prendre une dernière question. Allez, c'est moi, Angelica Calvé, Synova IT, et je représente également la GIT, Alliance Green IT. J'ai deux volets sur lesquels je voudrais réagir. Le premier, c'est depuis longtemps, c'est bien connu que les banques, ils ont vraiment des problèmes sur leurs instruments financiers en termes d'énergie, financer quoi que ce soit et dans la rénovation énergétique. Et à ces propos, c'est tout simplement, ça c'est mes côtés agiles qui parlent, les projets sont extrêmement longs. Et vous l'avez dit quelque part tous les deux, la problématique c'est qu'il faut aller par étapes, etc. etc. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment raccourcir et les projets doivent être bien plus courts. Sur quels moyens, sur quel type de financement, je ne sais pas, mais c'est peut-être que vous avez quelques idées déjà derrière, ce qui permettrait d'avancer plus vite. Et le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, puisque depuis ce matin, j'attends quelque chose, mais je ne la vois pas venir. C'est sur les numériques responsables, puisque bien évidemment, on dit que la digitalisation va aider la transformation, mais on rajoute du digital à la transformation. Et le digital, c'est très consommateur d'énergie. Donc, on va voir de plus en plus de l'IoT, des bâtiments connectés, des personnes connectées qui sont dans les bâtiments, etc., etc., etc. Et je voudrais savoir comment vous comptez mettre, je sais pas, ces paramètres, comment vous les comptez intégrer. Voilà. Oui. Alors, je pense que le prêt vert, c'est une opportunité pour la banque pour revoir complètement la stratégie avec laquelle s'adresse aux consommateurs. Et il n'y a pas un meilleur instrument produit comme le prêt hypothécaire, parce que c'est la vie de chacun pour 30 ans. Probablement, tu vas prendre l'assurance à côté de ton prêt hypothécaire, tu vas acheter beaucoup de biens. C'est une opportunité pour la banque. Et la banque, je pense qu'elle a tout l'intérêt de révolutionner complètement la façon de voir le consommateur d'un prêt hypothécaire et de mettre ensemble qu'est-ce que c'est aujourd'hui un prêt à la consommation dans le prêt hypothécaire. Parce qu'il change la valeur du bien et il change la valeur des actifs que la banque a dans le bilan. Alors, au niveau stratégique, je pense que c'est une révolution très importante. Et il va aussi adresser des clients, des consommateurs qui sont
pas probablement adressé aujourd'hui. On va mettre en place un système IT qui peut être utilisé avec des apps, des informations, des données qui aujourd'hui n'existent pas. Et c'est une façon pour vraiment revoir la stratégie des banques pour moyen long terme. Je pense que c'est une opportunité qu'on ne peut absolument pas rater. Je sais qu'on est sous pression avec le temps, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je veux dire, répondre qu'il y a un engagement fort, stratégique, et ça c'est la façon dans laquelle on va changer la structure de bilan bancaire. Je rappelle que 53% de GDP en Europe, c'est fait des prêts hypothécaires. Ça veut dire plus de la moitié de notre croissance, elle est utilisée pour faire des prêts hypothécaires. On peut vraiment changer quelque chose d'important et activer un moteur économique nouveau pour l'Europe. Merci. Un commentaire rapide sur la digitalisation. Et après, on doit terminer. Pas sur la digitalisation, mais sur la durée des process. Je pense pour la massification, on a absolument besoin d'une approche industrialisation des projets de rénovation, point final. Je pense aussi que le secteur, il y a beaucoup... je vois déjà beaucoup d'innovation, mais il y a beaucoup à améliorer. Par exemple, si vous allez acheter demain une voiture de 50 000 euros ou si vous faites des travaux de 5 000 euros, la différence de service est super grande. Je pense là, il y a beaucoup de choses. Mais comment faire le lien ou le pont avec le logbook d'aujourd'hui? Par exemple, en Flandre, ils ont dit, voilà, on veut peut-être au long terme ou au moyen terme mettre toutes les données accessibles aux troisième parties. Je peux imaginer que tu peux mettre en place un marché digital où tout le monde qui veut dans une certaine région, qui doit dans son étape A du projet phasé, c'est changer le toit. Imagine qu'il y a 500 personnes ou 500 familles qui veulent rénover le toit. Il y a 2-3 grands contracteurs qui peuvent se mettre là en place. Le process sera beaucoup plus efficace, le prix sera bas parce que pour lui faire son offre, il a déjà toutes les données via le database. Et je pense que comme ça, on peut vraiment améliorer les process et travailler beaucoup plus efficace. Sur cette note positive, on va devoir conclure. J'invite les personnes qui avaient encore des questions à venir les poser durant la pause du déjeuner. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je pense que la reprise est à 13h15. Correct ? Voilà. Merci.